Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM en ce 21 juillet 2024. Nous sommes aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire et puis nous aurons l'occasion encore une fois d'écouter une œuvre, hein, une petite prière en commençant cette émission, une prière de Luce Rose qui fait partie de cette clé là, hein, de cette clé que m'a mis présente Azote et je pense que non, mais essaye de mettre... Mais ça y mettre les affaires en dessous, hein. Et de sur YouTube, bien sûr. Hein. Sur YouTube, ils y mettent le lien. Et puis, tout de suite, là, sans réfléchir, sans bataille, connaît comment il est. Mais donne à Zot tout de suite le numéro de Luce Rose, s'il me retrouve. Alors, ce numéro-là, mais donne à Zot, ça, c'est pour, justement, c'est pour avoir. Comment connaître pour avoir cette clé-là. Alors, le numéro de Luce Rose, dommage qu'il a pointé sur la clé, mais il me dit autre, c'est 06 92 00 32 73. 00 32 73. Zot, il veut avoir cette clé dont Missa propose à Zot un extrait là. N'hésite pas à téléphoner à elle pour garder où ça il peut avoir, comment il fait. Et n'hésite pas non plus à aller côté la Rode, côté Casanlais, hein, dans les librairies religieuses. Donc voilà, deux solutions, 00, comment m'a dit mon atalala, rappelle encore, rappelle plus aussi, pas moi, 3273, 3273. Et aussi, au niveau des librairies religieuses. Du coup, nous ça écoute un extrait de cette clé-là. Et puis, nous aurons aussi l'occasion d'écouter un chant qui fait partie de cette clé-là. Alors, pour le texte que ça me propose aux autres, voilà. Seigneur, prière du matin. Voilà, comme nous le matin, nous proposons aux autres la prière du matin de Luce Rose. Seigneur, prière du matin. Seigneur, dans le calme du matin, je me remets entre tes mains. Il fait si bon dans ta maison que mon cœur t'offre ses chansons. Mes yeux s'ouvrent à tes merveilles. Chaque jour fleurit une nouvelle vie, un nouveau départ en ta compagnie. Si je me confie à toi dès mon réveil, avec toi tout devient facile. Je vois avec les yeux de ton fils, j'entends avec les oreilles de ton fils. Je parle, j'agis avec son cœur docile. Tu me guides et me rassures. Tu es le PA, tu es l'amour. Tu m'aimes et j'en suis sûr. Que je n'oublie aucun des jours. Voilà, c'était la prière de Luce Rose, prière du matin. Elle aura l'occasion tout à l'heure d'écouter un chant. Je ne me connais pas encore, peut-être Notre Père, pourquoi pas. Ou bien Dieu mon roi, ou bien autre chose. Hein. Donc, toi qui aimes toute miséricorde, écoutez la fois dernière. Ou bien, voilà, Seigneur, pardon, criez de la miséricorde, pourquoi pas. Ben, nous va voir tout à l'heure. Pour l'instant, nous plongeons à nous dans les lectures. Parce qu'aujourd'hui, Sheila, elle est toujours avec nous. Merci Sheila. Elle va lire pour nous le passage de Saint-Marc au chapitre 6, au verset 30 à 34. Nous écoute ça et puis juste après, il me retrouve à Zot. C'est bon? Bonjour Sheila. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus fit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement,
acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Merci Sheila pour ce partage de ta voix, hein? On dirait nous les dedans. Non, et puis là, je connais, nous avons rendez-vous avec Sheila. Mais je pense pas que ce sera sur Radio Salaz FM, mais sur YouTube et puis sur l'autre radio là. Et nous aurons rendez-vous avec Sheila pendant la semaine du 12 août. Hein, toute la semaine, elle sera avec moi pour les évangiles de chaque jour. Et ça nous va retrouver hein, sur YouTube chaque jour. À partir du 12 août, tu peux aller sur mon compte YouTube et elle va trouver. Tu pourras écouter, prier en même temps que nous. C'est-à-dire découvrir les écritures. Hein. Voilà. Là, c'était le passage de Saint Marc au chapitre 6, versets 30 à 34. Et comme écoute ce passage là, là en ce moment là, ben moi les réconforter parce que nous les en vacances, ben parce que si nous regarde, nous réécoute la dernière, le dernier phrase, l'écrit, alors il se mit à les enseigner longuement. Longuement, il veut dire que Jésus la prend son temps. Et comme il enseigne à Zot, enfin il enseigne, il partage avec Zot une émission de 30 minutes ou bien un petit peu plus. Oui, Cassie, un petit peu plus. Voilà pour le charisme de Jésus. Mais me les réconforter. Me les réconforter. Et dans ce passage-là, Jésus n'a un geste compatissant. Je te rappelle que ça, il a fait semaine dernière. Enfin, semaine dernière, dans l'évangile de la semaine dernière. Hein, pas dans le temps, le temps de Jérusalem. Hein. Alors, la fois dernière, il a envoyé ses disciples en mission. Deux par deux. Et chacun de nous, dans notre petite vie d'aujourd'hui, à la Réunion, là, nous connaît des fois la mission n'est pas facile. Ouais. Nous connaît que nous peut être fatigués physiquement, parce que maintenant tu es à pied deux par deux, fatigués moralement. Et puis, les écrits de la semaine dernière et l'écrit là, aujourd'hui, ben, il y a un passage que les pas dit dans la liturgie. C'est le martyre de Jean-Baptiste. Donc, il y a une fatigue physique, parce qu'il est parti en mission. Il y a une fatigue spirituelle, quoi. Il y a une fatigue spirituelle. Et il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Le martyre de Jean-Baptiste. Et puis, il se peut que la rencontre des personnes que la jure azote, la lâche les chiens, la tia physique, Kalachnikov, la jure azote nénène. Et pourtant, Zotla n'est en bon terme, ou bien Zotla a eu faim, ou bien Zotla n'a pas gagné la place pour d'hommes, il avait besoin de parc poule. Ouais. Ben, figure à Zotla qu'il demande la mission d'être chrétien, ben, ce n'est pas une mission facile. Des fois, nous faisons tellement de choses, et bien, nous devenons en burn-out. Et en burn-out, même il propose à Zotla aussi ben, de jeter un coup d'œil sur YouTube avec Serge Marquis. Serge Marquis. En effet, il en mange trop, là. Parce que ah, c'est vrai, là. Tu vois, quand il est livré là du Canada, il conseille aux autres d'écouter un des conférences de Serge Marquis, notamment Pensouillard, Pensouillard, le petit hamster. Il conseille aux autres ça. Peut-être me mettre aussi dessous, en lien. Alors, c'est en lien dessous YouTube. Si Jésus. Il est en face de ce burn-out, que ça lui dit, faut reposer. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. T'es, comme dit, le repos n'a pas tiré personne. Et là, nous, en vacances, le repos est vital. À l'époque, dans une vie d'avant où ça m'était enseignant, voir qu'elle avait les 5 semaines de travail, et puis la 6e semaine des vacances, mais j'ai eu azote, mon bon camarade. Azote, mon bon camarade. Ou connaît, ça l'était vital parce que sinon, ou tu pètes un câble, ou tu fais un burn-out. Ben. Et nous la prépare cette émission-là, Laurence et moi-même. Et du coup, nous la tombé sur un livre d'Aristote que tu peux consulter, hein, s'il appelle l'éthique à Nic. Attends, me prends mon respiration. L'éthique à Nicomaque. L'éthique, c'est l'éthique. À Nicomaque, c'est le premier d'un monde. Et quand il dit vite les ferries, comment il appelle le livre Aristote là? Livre Aristote, c'est pas l'éthique à Nicomaque. L'éthique à Nicomaque, il fait rire. Donc cette émission là, c'est une émission, ben voilà, il apprend à nous à rouvrir des livres que peut-être nous n'a pas
eu l'occasion de rouvrir. Et dans ce traité, nous peut dire traité d'Aristote, Lydia nous dit comme ça que le repos, nous l'avons besoin de reposer. Là, c'est un point vital pour être efficace pour plus tard. Et Jésus, dans ce passage-là, explique à nous que le chrétien, il doit ménager non seulement son tête, son cœur, mais aussi son corps. Le corps, c'est le temple de l'esprit. Et si on ne ménage pas votre corps, si vous êtes toujours en train d'être agité, de batailler, de monter au créneau, il veut dire que firmez-vous ou pour 10 minutes de capacité. Et il est écrit dans l'Exode, tu ne tueras pas. N'entends-tu au même? Pour près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et Saint Augustin, il a dit cette phrase. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. L'esprit a besoin du repos. Et de même, vous êtes mieux passé, vous êtes amis avec moi sur Facebook, je vais mettre une petite phrase de Saint Thomas d'Aquin. Et Saint Thomas d'Aquin, merci Laurence, dans sa somme théologique, il parle de cette prévention du cœur et du corps. Et Tommy, garde un petit coup l'autre côté là-bas. Garde Laurence, que c'est du moins. Oui, c'est ça. Dans la deuxième partie de la deuxième partie. C'est la question combien? 168. Allez, regardez. Seconde. Il dit, en gros, il dit comme ça. Mais ça ne peut pas dire exactement parce que c'est plus compliqué, même traduit en créole surtout. Il faut que nous accordions à nous un temps à la légèreté. Un temps pour nous reprendre à nous, pour déconner quoi, pour poser. Et ça, c'est ça, il appelle ça le trapélie. LEUTRAPELIE. Le trapélie. Et ça, c'est un mot que ça, tu peux faire sortir. Ça, ouais, pour la cause avec un moun et l'église. Le trapélie. Alors, Marc a laissé un bout de papier. Hein, le trapélie. Et donc, il fait bel effet, ouais. Il lève grand matin pour employer ce mot-là, le trapélie. Vous avez gardé la définition pour être bien ficelé avec ce qu'il veut dire. Mais il veut dire qu'il faut nous reposer, en fait. Il faut nous reposer. Certains d'entre nous, ils n'ont l'occasion d'agir. Ils agissent sans comprendre dans cette trapélie-là. C'est une disposition, comment dire, les plaisantes, il est dans l'esprit de répartie, un peu comme moi, comme il fait là. Hein, parce que étrapelos, ça veut dire bien tourner. Hein, et c'est bébé, calm down, réimagine ça. La la, petit Dieu, calm down. Les paroles, malheureusement, c'est notre vraie parole. C'est des fois, on fait un travail minutieux, un travail sérieux. C'est par exemple, on prépare des voies pour le CVP. Le CVP, c'est les vœux perpétuels de sœur Argentine et puis de l'autre sœur de Bagatelle. Là, on peut préparer les voix. On a fini bien préparer tout ça là. On a fini enregistrer, fini envoyer sur WhatsApp, tout ça. On a fini bien faire les choses comme il faut. Mais à un moment donné, là, vous sortez dedans, quoi. Voilà. Ou calme à vous après un travail minutieux. Ou bien après avoir pris une décision importante, il ne faut pas nous rester dedans. Voilà. Et comme dit Laurence, elle rappelle à moi un mot d'un prêtre, d'un ecclésiaste, dans ses vœux là, il dit comme ça, « Mi souhaite azote de ne rien faire. Mi souhaite que zoti vive le trapéli. » Enfin, moi, il dit ça, « Zoti vive le trapéli. » C'est-à-dire, apprendre à ne pas être sérieux. Et elle n'a pas allé vers le vice et la paresse, hein. Saint Thomas l'a pas dit ça, hein. Non. C'est être justement, prendre du temps pour se reposer. Et pour se reposer, me propose Azote d'écoute, comme Talama dit Azote, me rappelle plus le titre, c'est Nos Kyriés de la Miséricorde, écrite par Luce Rose, et qui fait toujours partie de son disque, c'est un clé. Un clé avec tous les textes avec. Et Luce Rose me rappelle son numéro 06 92 00 32 73. 00 32 73, Kyrie de la Miséricorde.
Ensemble vocal de Luce Rose avec la patte professionnelle de Patrice Elama. Et puis les harmonies de feu Jean-Marie Vincent. Alors juste avant de nous parler de Le Trapelli, il me donne un extrait du texte. Le texte dit comme ça, le texte de Saint Thomas d'Aquin. La solennité coule de source chez l'homme, mais le rire demande beaucoup de sursaut. Il est facile d'être lourd, il est difficile d'être léger. Satan est tombé par la force de gravité. Les gaillards, hein? Satan, je pense que c'est Saint Thomas d'Aquin qui écrit ça. Comme dit Saint Thomas d'Aquin, c'est pas un famille lointain de Laurent et de Thierry, hein? Thierry d'Aquin, hein? c'est un autre, écrit à une autre manière ça. Et pas la aussi liqueur d'Aquin ou bien la fête et Boubou. Alors, mais reprend. La solennité coule de soi chez l'homme. Ça veut dire que l'homme, là, ben, il peut être sérieux, là. Il est sérieux, dit. Il faut lui laisser aller dans les, enfin, dans l'église. Il me donne un exemple, ça. L'église, faut lui laisser aller, faut lui aller droite. Voilà. Mais, quand, à nous, on a la chance, à Saint-Suzanne, d'avoir le Père Lacôte, il fait rire de monde. Mais, si il fait rire de monde à notre place, là, ben, de monde, il rit pas trop parce qu'ils allaient tellement sérieux. Nous veut rien, nous, mais seulement, il faut nous garder à côté, si à côté, il rit. Nous rit, mais si tout le monde garde à côté, et si à côté il rit pas, mais personne ne rit pas. Il faut laisser aller, quoi, faut les raides, comme dit Cabrel. Il marchait raide comme une planche pour pas salir les vernis des souliers. Et l'auteur y ajoute, il est facile d'être lourd, mais il est difficile d'être léger. Par exemple, quand on a monsieur le maire, il est à table, ben il faut tout, ben madame le maire. Quand madame le maire est à table en face de nous là, mais il faut nous laisser ailleurs, il faut nous garder, nous tient bon notre respect. Et il dit comme ça, cette phrase, il touche à moi, c'est Satan l'est tombé par la force de gravité. Voilà. La gravité de Newton, mais la gravité de vouloir être trop sérieux. Voilà. Nous n'avons un Dieu de joie. Dieu est une fête aujourd'hui, que sa volonté soit faite. Fête aussi, F-E, accent circonflexe, T-E. Sourire, légèreté, faut nous profiter des vacances, quoi. Voilà. Ah ouais, faut que nous n'a cette joie. Et à la fin de l'évangile, enfin dans l'évangile, et que ça se passe, l'enseignement comme à des autres. Alors, nous imagine, disciples fatigués, passons de l'autre rive avec la fuite en fin de compte, une espèce de fuite en avant, voilà. Et quand ils passent l'autre rive là, t'es la mer, elle est calme, ça donne un genre de crypte, un genre de danse. Vous connaissez l'anse des cascades, un genre de danse comme ça. Et puis, la foule, là, la fin d'entendre, dit salut. Et la foule, il passe par l'été pour les rejoindre Banna. Et la foule, il retrouve Banna. Banna, il court, la foule, il court justement. Banna, le bateau, il coule normalement. Et ça, normalement.
Et quand Jésus arrive, Bannal est déjà là. Voilà. Et là, quand ça arrive pour Jésus, son cœur tombe. Peuple sans berger, que trompe tant de voix. Peuple sans berger, vendu sans foi, qui te guidera dans tes combats? Alors, devant cette image-là, allons prendre un petit peu de la hauteur. Alors, devant la foule, là, elle est assoiffée d'enseignement, là. Jésus, il est là. Et à la réunion, là, et bien, un peu partout aussi d'ailleurs, il y en a de monde, ils cherchent des réponses. Ils cherchent des réponses. Vous êtes là un peu dans le fait noir, et là, il voudrait envoyer un petit coucou à Marie, M-A-R-Y-E, et aussi un petit coucou à, attends, il donne son nom, Dominique Vincent. Vous allez reconnaître Azot parce que Banala manifeste Azot par rapport à l'émission sur Chien Charbel et ben après sur la pastorale quoi en gros. Alors, Domouni il cherche des réponses. Nous tous à un moment donné cherchons des réponses. Mais à nous, si nous prenons de la hauteur, si nous connaissons les Écritures, si nous la mettons notre main dessus, le gros livre pour dire je voudrais rester fidèle au Seigneur. Là, tu te rappelles la petite chanson et la chanter? Et là-haut, quand il est, tu me rappelles, je m'engage, hein, il parle de je m'engage. Hein? À nous, chrétiens baptisés, engagés, que ça nous fait pour que Jésus il rejoigne ces bonnes personnes-là, ces bonnes personnes qui cherchent des réponses. Hein? Parce que généralement, là, nous avons tendance à être entre nous. Il suffit de regarder qu'on est festin. Qu'on est festin, ben, les frères. Il reste avec les bonnes frères, les sœurs restent avec les bonnes sœurs. La famille, le madame, il y assise un côté. La famille, le monsieur, il y assise un côté. Voilà. En ce moment, ben, les vacances, c'est normal. Hein, mais nous pouvons voir aussi les églises, ils vident depuis le Covid. Parce que les gens laissent revenir. Et il fait des efforts pour revenir. Le prêtre, il fait des efforts pour revenir. Mais pas toutes les prêtres n'ont ce charisme de faire des efforts pour revenir. Ben, alors, les gens, ils sont pas autres accueillis par les fidèles. Accueilli par l'équipe pastorale, par le prêtre, mais pas à Salazie, hein. jamais. À Salazie, les prêtres, ils sourient, ils dialoguent, ils mènent bien son troupeau. Hein? Et nous, ben, chacun de nous, chacun des ouailles, il faut nous témoigner, sinon l'église est vide, il faut nous mettre la joie quand nous chante, il faut nous mettre la joie quand nous lire. Il faut nous accueillir Soraya dans sa mission de musicienne et de chantre de demain, parce que Soraya, elle prend le micro, elle y chante en même temps. Ben, et pourquoi faut accueillir elle? Plus particulièrement parce que c'est une musicienne, hein? Et parce que personne l'a fait ce qu'elle a pu faire. Ben, je me connais à peu près 30 ans, mais fréquente l'église Grand-Ilette, hein? Ben, ma vie l'église Grand-Ilette, assise, debout, allongée, la tête dans le mur, et sourire, chanter, danser. Mais, depuis 30 ans, un petit peu plus de 30 ans, personne n'a fait sexe royal, a fait là. C'est-à-dire, la première messe que tu fais, ou fais Ali en termes diocésain. Bravo Soraya, bravo Christem, bravo les parents. Ben, si c'est pas Emma Amai là-haut qui fait l'animation avec l'instrument de musique, d'autres personnes vont faire à la place. Et plus loin, d'autres personnes sont taillées, ils sont de Saint-Suzanne par exemple. Hein? Et nous voit plus loin que ça. Si c'est pas nous, chrétiens catholiques, qui apportent cette image d'un Seigneur qui nous veut du bien dans le repos et non pas dans les choses à faire, à tout prix. Mais par exemple, personnellement, et dans le contexte de contexte actuel, ben, comme a dit Azot, et d'aller à la confirmation à Grand-Ilette, de descendre pour les funérailles de ma tante Marie, de participer à la prestation pour l'association Issava en voyage, de jouer au radio crochet, de recharger tout le bon matériel, le bon gros baf et sono, parce que ben, c'est l'association Chutniagara qui l'a fait. De prépare Cariti Jacques pour le lendemain avec ma belle, ben, où ça nous ça trouve la force pour monter les rampes de Salazie, pour monter les rampes de Grand-Ilette pour aller le soir remanger là-bas. En plus, il fait frais, les rampes fleurs jaunes. Pour monter, il n'y a pas de problème ça. Mais pour Hudson là, franchement, les mortels. Les mortels, parce que le risque, moins avec tout ça, tous ces charges là,
ben je risque de mettre mon vie en danger. Et si je mets mon vie en danger, je s'accrase l'auto cloué. Et si je crase l'auto cloué, peut-être je tombe handicapé. Tout ça pour faire plaisir. Aller manger là-haut. D'autant plus que pendant deux fois, ma fille monte en silette pour les réunions. Non, mais les gars, franchement. La messe que Mithy devrait animer le lendemain, là, dimanche passé, là, mais n'aurait été pas un messe, n'aurait été un requiem. Quoi. Donc, tu es encore une famille, dans une famille Marcel est mort. Ouais. Vous connaissez, Mithy, ça comme ça, hein, mais il y a des choses il faut nous faire dans notre vie. Il y a des choses peut-être faut pas nous faire comme Jésus dit, nous prenez du repos, prenez du repos. D'autant plus que les choses, si c'est pas nous qui fait là, ben, la transmission de la foi m'y parle, hein. Il dit comment que 40% de monde, ils regardent l'horoscope. Ben, Zatiba Zazot, si les signes astrologiques, pour trouver un zézé. Hein. Ils croient plus en bon Dieu, ils croient en l'horoscope. Ben, mi peu si t'as autre. Ben, excusez-moi, mi si t'as autre, ben, c'est que nous la préparons, on l'a trouvé, hein. Mi peu si t'as autre, chez Teston. Hein, et regarde, chez Teston, ce qu'il est. Il dit comment que quand nous croyons plus bon Dieu, nous les prêts à croire n'importe quoi. Quand nous croyons plus bon Dieu, nous les prêts à croire n'importe quoi. Pourquoi les gens y croient n'importe quoi? Parce que la personne pour monter aux autres. Et ça, c'est notre mission, ça. C'est la mission un tel, de baptiser, confirmer. À nous, que ça nous n'a pour faire, nous n'a pour aller au-devant le peuple. Nous n'en avons pour encourager les initiatives, Christem, Soraya, les bonnes marmailles, et confirmation surtout, parce qu'on fait une combien d'infos confirmation, hein? franchement, me revient sur Soraya, première messe de confirmation, l'anime, l'y jouer, dimension diocésaine, et en plus, avec la présence de Monseigneur, si tu prends un autre gars, un monde, tu joues un peu l'orchestre, balle, soit là, jamais il vient pas là, lui. A dit non, t'es fou. Ah, Monseigneur, il est là. Première fois, il jouait, il s'est trompé. Non, Soraya l'a fait son boulot. L'a fait son mission. Les parents l'a fait son mission. Et cette mission n'est pas donnée à n'importe qui. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 avec Marcel en ce 21 juillet. Et nous parler dans cette liturgie où ça, le Seigneur, il demande à nous de reposer. Et où ça, le peuple, ben, il était perdu comme un peuple sans berger, comme un peuple sans berger. Et Jésus, malgré il a eu pitié pour Benna, même s'il a dit avec ses bons disciples, repose-toi un peu. Voilà. Quand il la trouve les gens, la devant Sali, et au moment du débarquement, il a eu une compassion. Il a une compassion, et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné Benna longuement, c'est-à-dire les pirodes. La fatigue de ses disciples, il a mis Ali au service de son église. C'est nous aussi, nous avons un moyen de mettre à nous au service de notre église à travers ce que nous fait, à travers ce que nous donne. Et n'ayons pas peur parce que Dieu sera toujours avec nous. Et, chers amis, c'est pas pour mal parler, là, pas pour mal parler. Mais des fois, sur notre chemin de d'ouvriers de paix, de bâtisseurs d'amour, il y a des mondes qui découragent à nous. Il y a des mondes qui écrit dans le premier lecture de Jérémie, quoi, c'est comme des pasteurs qui dispersent les brebis du pâturage, c'est-à-dire qui découragent Soraya, qui découragent Christem, qui découragent la chorale. Mais ben, ils bougent pas, hein, tu restes au fond de l'église, ben, ils disent, ouais, tes micros, t'es trop fort, ah, on a mal chanté, on l'a trompé, mais ben, là, vous avez eu azote postérieur sur les bancs de l'église. Et des fois, ben, est-ce que nous n'est pas en opposition avec la parole quand nous agit comme ça, hein? Mais le Seigneur, il rassemble à nous autour de son roi, de son David, de son descendant de David, de son prophète. Et le Seigneur est notre justice, l'écrit dans la première lecture d'aujourd'hui. Cette Seigneur, notre justice, il veut dire que nous fait notre boulot, enfin, nous fait notre mission calmement, avec dans la tête le combat du Seigneur. Ne sois pas écouter un tel, un tel, un tel, non. Si le Seigneur a cause avec nous,
C'est toujours avec diplomatie, bien sûr, ne soit pas crié sur le toit. Dans la diplomatie, parce que demain, nous peut tomber. Ouais. Donc, il invite à nous à relier un peu le psaume d'aujourd'hui, ce psaume que nous connaissons déjà. Quoi. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Rien ne saurait me manquer. Des fois, notre vie financière compliquée, notre vie de cœur est compliquée, notre vie normale avec nos enfants, avec nos parents, avec notre entourage, notre patron est compliquée. Mais si nous mettons dans notre tête que rien il sera, va manquer à vous parce que le Seigneur c'est notre berger. Le Seigneur c'est notre berger. Il mène à nous vers les eaux tranquilles. Il prépare la table pour nous. Et la grâce et le bonheur y accompagnent tous les jours de notre vie. Nous va habiter la maison du Seigneur pour la durée de nos jours. Pas besoin de la peur. Nous sommes morts, nous. La justice des hommes va peut-être condamner nous à perpétuité ou bien la peine de mort. Mais quand ça sera fini là, nous serons dans le royaume. Et quand nous serons dans le royaume là, ben nous va habiter pour la durée de nos jours. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous souhaitons à nous. Nous souhaitons à eux. Nous souhaitons à nous. Nous souhaitons à nous aussi surtout. Ben, c'est que le Seigneur il reste toujours notre berger. Même si nous va pas aller là, ben, de loin là, il n'est pas rien. Drone, il guide à nous-mêmes. Là. Des fois, nous repousse à lui. Non, ben, vous connaissez le Seigneur. Bah ou quoi, mais le Seigneur il part pas trop loin, il reste au fond de notre cœur, là où ça nous pense pas trop aller. Donc chers amis, merci de votre attention, merci Laurence, merci Chris, oui merci Chris Céleste, parce que c'est bien mettre là. Merci Cassie, merci Cathy, un petit coucou à Cynthia, un petit coucou à Dani fait bon l'interview, hein. Un petit coucou, un gros coucou, un moyen coucou, mais pas moins, à Dominique Vincent, que là laisse un petit mot dessus YouTube. Et après toutes les personnes qui suivent Patrice. Et puis m'y mettre à vous au courant que nous aurons une belle fête le 8 septembre à Bagatelle Saint-Suzanne, nous aurons les vœux perpétuels. Et ça, nous aurons l'occasion d'en parler après, un autre jour. Pour l'instant, un seul live motif. Reposez-vous. Retenez pas mon week-end, n'a pas la case. Allez, nous retrouvons. Bye bye. Merci, au revoir.